Allez, course 155 avec André sur le départ pour cette compétitrice en Master Woman 70. Cette compétitrice qui vont essayer de décrocher leur place pour la finale, André. Yamo Olivier, Teyeya, Teyeya, Mo Mama, Itu Ahuru Mateiti, Te Fifine, Itipe no Te Reni Farivara, Itimahuye Teveira, Teyeya Mataita Ona, Muriri Maitiva, Te Turene, Iteye Mo Mama, Teria Diane Rato, Itihari Rape Atu, Itarato, Reni, Not Mea Maitpe Hareue, Irape Tereni Woti, Tehuera, No Uenorera, Nenetato, Epopo Maitete Mama. Hitu ahuru ama teiti te hoe noara ai tato teiti roto e te ye hoe ai piti hoe ano te ye ya mo mama i fata ahia tera wahuru oa hia te whaari war a te veine te pupu tanata te aito no tanata te veine te aito no Aotearoa no Vehi no Marite e tēnō atu no Australia donc actuellement départ de ces mamies à de 70 ans avec ce vent arrière gauche, on va dire ça comme ça. Et l'Australie couloir numéro 6 avec Prescott Pam qui prend le meilleur départ, carrément un va d'avance sur le couloir numéro 5 qui est Carnet Chéri, suivi au couloir numéro 1 de Ruth Matson du Canada qui fait le forcing qui revient pratiquement à la deuxième place. Mama Hiomete te Huti Pari Oteyeya Mou Mama Nora Pemei Totato Fenua Hitu Ahuru Amateiti te Tito Noara Note Harumei te Mou Fetia Tra Popo Maite Otraria Ato Mua te Aitei O Aotei Aito O Ruta Manson, Teveira Toa, Leslie Howat, Teye, Tito Ney, Tomua, Otraria, Murimei, Tanata, et Aotearoa. Voici donc les Aito et cette Australienne couloir numéro 6, Pam Prescott, qui maintient sa première place et qui freine, puisque attention, il ne faut pas sortir de son couloir. La grande difficulté aujourd'hui, vous l'avez vu avec Papa Tarifonia dans la catégorie des 70 ans, c'est de ne pas se laisser emporter dans l'autre couloir, Olivier Davidson. Allez, on est à la mi-course pour l'instant et on est bien parti du côté de l'Australienne. Oui, l'Australienne qui a une très bonne longueur d'avance donc sur la Néo-Zélandaise. Et puis vient en troisième position aux 250 mètres, donc la Canadienne. Voilà, très très important. Vous pouvez voir là l'image, obligé de freiner pour ne pas, pour éviter justement de manger sur les plots et les couloirs. Il faut tout le temps ajuster son V1. Et on voit l'Australienne qui fait ça très très bien et donc qui va remporter, je pense, s'il n'y a pas de dessalage, de chavirage, qui va remporter donc sa série ici devant la Canadienne et la Californienne, me semble. Et on voit malheureusement les gros coups de frein pour rester dans son couloir. Difficulté avec le vent qui s'élevait pour ses 70 ans, ces women, de garder le contrôle complet de sa pirogue. Et justement, les petits coups de frein ont permis à la Néo-Zélandaise de revenir, oui. De revenir sur notre amie australienne Pam Prescott. On va avoir un duel entre Sherry Cairn au couloir numéro 5 et Pam Prescott au couloir numéro 6. Et on a l'impression que la Néo-Zélandaise forte sur les 10 derniers mètres et va remporter la série. Belle accélération sur la fin de course du couloir numéro 6 avec Cherry Cairn qui remporte sa série devant Prescott au couloir numéro 6. Bravo à ces deux compétitrices. On va voir qui prend la troisième place. Il me semble que c'est la Hawaïenne ou l'autre Néo-Zélandaise, Leslie Howat. On va voir quel est le numéro de Va'a. Je ne sais pas si tu l'aperçois, David, c'est le numéro 3. C'est la Canadienne, Ruth Matson. Ruth Matson qui est au couloir numéro 1. Voilà, qui prend la troisième place de cette série.